contre les appareils. On va parler ce soir, ce soir et chaque soir de cette semaine au théâtre antique de la photographie expérimentale. Et c'est Marc Leno qui va nous accompagner. Vous le connaissez sûrement, Marc Leno, vous le lisez d'ailleurs sûrement sur le site du Monde. Il est un peu plus connu sous le nom de lunettes rouges. Et cette semaine, en une série de trois épisodes, il va nous emmener à travers cette photographie expérimentale. Marc Leno. Merci. Merci beaucoup. Donc ce soir, jeudi soir et samedi soir, je vais vous montrer un travail que je fais depuis quelques années sur l'idée de photographie expérimentale. Un point, un point levé, est-ce un point de révolte, est-ce un point de manifestation, ou bien est-ce un point pour taper contre une porte, contre une vitre Non, c'est un point photographique. Un point photographique, mais qu'est-ce que ça veut dire un point qui prend des photographies. J'en parlerai davantage samedi soir. Ce que je vais commencer à vous montrer aujourd'hui, ce sont des manières différentes de prendre des photographies, des manières qui vont en général contre les règles mêmes de la photographie. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet de photographie expérimentale, je me suis rapidement rendu compte. Que ni dans les dictionnaires, ni dans les encyclopédies, il n'y avait beaucoup de textes, beaucoup de réflexions sur la photographie expérimentale. Et pourtant, il y a des photographes qui, depuis 40 ans, 45 ans, à mon avis, font ce type de photographie. C'est ce que je vais essayer de dérouler avec vous. Pour moi, tout cela commence il y a à peu près 40 ans, quand un certain nombre de photographes conceptuels commencent à réfléchir sur ce qu'est la photographie, non pas. Comme d'autres conceptuels, d'utiliser la photographie comme un moyen au service de leur art, mais de réfléchir sur les éléments, les paramètres, les procédures de la photographie même. Ce que vous avez ici à l'écran, c'est une pièce de William Anastasi en 1967. Anastasi se met devant un miroir, fait un Polaroid colle le polaroïde sur le miroir, refait un polaroïde, colle le polaroid sur le miroir, et ainsi de suite, neuf fois, jusqu'à ce que le miroir soit entièrement couvert par ces polaroïdes. C'est une photographie inutile, qui ne sert à rien, qui ne montre rien, mais qui, par définition, est une première réflexion sur ce qu'est la photographie. Parmi ces conceptuels, peut-être le plus connu est Hugo Moulas. Cette photographie date de fin 1970, c'est-à-dire deux ans, deux ans et demi avant que Moulas ne disparaisse. Moulas, photographe d'exposition, se retrouve à Rome dans une exposition où il a photographié une performance de Yannis Kounelis. Cette performance-là consiste en un pianiste qui joue tous les jours le même air, à la même heure, chaque jour, pendant un mois, un mois et demi. Moulas se demande, comment est-ce que je peux rendre compte du temps photographique et cette pièce-là s'appelle le temps photographique. C'est une des, vérifiées, des vérifications de Moulas. Et en fait, ce qu'il fait, évidemment, c'est d'aller tous les jours et de prendre la même photo au même endroit du même pianiste jouant le même air. Simplement, au lieu de montrer, comme on aurait pu s'y attendre, une photographie, il choisit de montrer la planche contact dans son ensemble pour montrer ce déroulement du temps photographique. Là encore, nous avons. Pour une des premières fois de l'histoire de la photographie, une présentation de l'image, une présentation de la photographie qui va à l'encontre des règles, montrer une planche contact. Le même Moulas fait cette photographie qui est un hommage à Marcel Duchamp, qui est également une planche contact totalement vierge, sans aucune information, simplement avec les données techniques, le talon et la Morse, qui est placée sous une plaque de verre qui est cassée. Donc nous avons là, autour de 67, 70, 71. Et il y en a d'autres, un certain nombre d'artistes conceptuels qui commencent à s'interroger sur ce qu'est la photographie et qui, pour moi, sont les ancêtres des photographes expérimentaux dont je vais vous parler pendant ces trois jours. Alors, il y a différentes manières d'aller contre les règles photographiques. La première que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est tout simplement... De ne pas avoir d'appareil photographique. De quoi s'agit-il voilà, En voici quelques exemples. Le photographe anglais-britannique Chris Bucklow réalise ces photographies-là sans appareil, uniquement avec la lumière du soleil qui vient impressionner un film, un, un, un film sensible qui fait 2 mètres de long à l'intérieur d'une silhouette qui est définie. Donc on peut appeler ça. Un antiphotogramme, en quelque sorte. Le soleil passe par une, des centaines, des milliers de trous pour impressionner cette, cette pellicule. Voilà le type de photographie qui va à l'encontre de la règle normale d'utiliser un appareil photo. Voici quelques autres exemples de photogrammes. Le photographe britannique qui vit aux États-Unis, Adam Fuss, a énormément travaillé avec les photogrammes, et en particulier à réaliser des photogrammes comme celui-ci, qui consiste en fait en un bac de verre, en dessous duquel se trouve le papier photographique. Le bac est rempli d'eau tiède, et le bébé se retrouve plongé dans cette eau tiède amniotique dans laquelle il bouge un peu, le flash se déclenche, et le photogramme du bébé est pris. Là encore, on est dans une logique qui va à l'encontre de l'utilisation de l'appareil. Autre grand maître du photogramme au XXe siècle, l'Allemand Floris Neussus, qui vit à Kassel, a réalisé beaucoup, beaucoup de photogrammes, grandeur nature, celui-ci fait 2 mètres de haut, je crois, de corps, de corps qui semblent flotter, de corps qui semblent danser dans, cette, dans cet univers de blancheur. Autre exemple avec un, un artiste français, Henri Foucault qui d'origine est un sculpteur et qui donc lui aussi réalise des photogrammes, lui aussi de corps, mais il s'efforce, venant de la sculpture, de leur donner une certaine dimension, une troisième dimension, une certaine forme d'épaisseur. Et donc il y a deux photogrammes l'un contre l'autre et, et qui sont percés de trous de manière à donner une forme de relief à ce corps et vous voyez ici, enfin, vous voyez, vous devinez qu'il y a une certaine forme de dimension qui émerge de ce photogramme-là. Les photogrammes que nous avons vus jusqu'ici sont des photogrammes qui représentent quelque chose, en l'occurrence des corps, qui se préoccupent de représentation. Mais on peut aller au-delà. De cette simple logique de représentation et faire des photogrammes où l'image représentée, tout en étant une photographie, devient beaucoup plus difficile à saisir. Walid Beshti, qui est un Anglais qui vit aux États-Unis, réalise ce type de photogrammes qui, a priori, peuvent passer pour abstraits, peuvent passer pour des simples dessins. En fait, il s'agit d'un procédé tout à fait. Particulier, tout à fait original, où Bechti met dans sa valise des feuilles, des papiers sensibles, et voyage d'aéroport en aéroport. D'une part, la valise n'est pas totalement étanche à la lumière. D'autre part, les valises passent dans les systèmes de sécurité, et donc, au bout de deux, trois, quatre voyages, la pellicule sensible à l'intérieur de la valise se trouve impressionnée par des éléments de lumière qui restent totalement euh, mystérieux, totalement inconnus, mais qui viennent impressionner cette image. C'est toujours une photographie, c'est-à-dire qu'il y a toujours du papier sensible et de la lumière, mais c'est une photographie qui ne représente plus que le concept d'un voyage que Bechti a fait, et chacune de ces photographies porte le nom de ses voyages. Autre exemple d'utilisation de photogrammes. Relativement euh, différente de ce qu'on fait actuellement, les photographes anglais Adam Bromberg et Oliver Chanarin, qui font toutes sortes de types de photos, sont invités à participer aux opérations de l'armée britannique dans le nord de l'Afghanistan, comme des photographes embedded, comme on dit, pour témoigner de ce qu'il se passe dans le, le, le champ de combat dans le nord de l'Afghanistan. Au lieu d'entrer dans cette logique-là, au lieu de partir avec l'armée avec leurs appareils photo et de photographier les combats, ils décident de, à leur manière, critiquer ce mécanisme de photographe embedded, et ils partent avec un rouleau de film de 50 mètres de long sur 1 mètre de haut dans un dans un conteneur étanche qu'ils découpent en morceaux de 7 mètres et chaque fois qu'il y a une accalmie des combats, ils sortent du tank. Du véhicule blindé dans lequel ils sont, et ils déroulent les sept mètres de, photo, de de papier photo. Ces 7 mètres-là, ce papier photographique, est impressionné par la lumière de l'Afghanistan, par la poussière. Cette image, qui fait 7 mètres de long, qu'on vous a proposée en, en travelling, euh, ne représente rien. Vous ne voyez ici rien qui puisse vous dire. Que c'est l'Afghanistan, qui puisse vous dire de quoi il s'agit, excepté le fait que c'est le témoignage de deux photographes qui ont été sur place et qui ont fait une photographie. Dernier exemple de photogramme quelque peu euh, inhabituel que je voudrais vous montrer. Morgan Adawi, qui était il y a quelques années étudiante à l'École euh, nationale supérieure de la photographie à Arles, réalise des empreintes de son corps c'est-à-dire qu'elle enduit certaines parties de son corps, en l'occurrence son sein, ses seins ou son sexe, avec du révélateur, après avoir mis une crème protectrice, et qu'elle applique le papier directement sur son corps. Elle fait ça parfois en privé, parfois dans des performances publiques, semi-publiques, disons. Et ce que vous avez là, c'est une empreinte du corps de la photographe faite de cette manière-là. Donc, voilà un certain nombre d'exemples de photographies que j'appelle expérimentales, et nous parlerons demain, après demain un peu plus de, de la définition que je, que je propose. De photographies qui sont faites contre les règles, de photographies qui sont différentes des photographies habituelles. Je continue avec une autre dimension de cette photographie expérimentale, qui est de jouer avec l'appareil, de faire des choses un peu inhabituelles avec un appareil lui-même. Vous connaissez sans doute, ou peut-être, Miroslav Tichy, qui est un photographe tchèque qui est mort il y a six ans, qui a eu une exposition à Pompidou en 2008, je crois, et qui a eu une exposition à partir de vendredi à Marseille. Tichy construit ses propres appareils. Donc Tichy, à partir de morceaux de bois, de tubes de plastique, de verres de lunettes, de jouets d'enfants d'élastique, de, de, toutes sortes de choses, construit ces espèces de monstres que vous voyez là, ces espèces d'appareils qui fonctionnent euh, et avec lesquels il prend des photos. Et les photos qu'il prend, vous en avez un exemple ici, Tichy photographie essentiellement des femmes qu'il suit dans les rues de sa petite ville, et donc ce sont des photos qui sont mal faites au sens où, d'une part, ces appareils sont loin d'être parfaits, où la lumière entre de, de, de tous côtés, où, d'autre part, ils développent ces images, ces pellicules dans le, le lavabo de sa, de sa cuisine, que donc c'est également taché, mal fait, il les imprime, il les tire avec un agrandisseur qu'il a fait lui-même, et ensuite, comme vous pouvez voir ici, il les améliore en faisant des petits cadres. Donc voilà un exemple d'un photographe qui n'accepte pas l'appareil photographique industriel standard, et qui décide de construire le sien. Autre exemple de jeu avec l'appareil photographique, le photographe anglais Mr. Pippin, Stephen Pippin, qui a depuis 15 jours une exposition au centre Pompidou à Paris, fait différents travaux et ce travail-là s'appelle la mort de la photographie. Pourquoi la mort de la photographie Parce que Pippin met en place un mécanisme extrêmement complexe avec lequel il tire au pistolet sur un appareil photo. Au moment où la balle traverse l'appareil photo, le flash se déclenche et donc le film qui est là enregistre une explosion, enregistre des morceaux de débris de plastique, de verre qui vont dans tous les sens. Pipine joue avec ce concept de voilà, la fin de l'appareil photographique, la fin de la photographie, la mort de l'appareil photo. Autre exemple ironique d'appareils photo un peu étranges. Le duo euh, suisse Honorato et Krebs utilise des mécanismes, des chambres, des objectifs tout à fait standards, mais il habille les appareils photo qu'ils construisent de différentes choses, Ça peut être des carcasses de tortues. J'aime beaucoup celle-ci parce que celle-ci, comme vous le voyez, est faite avec des livres sur l'histoire et la théorie de la photo. Vous pouvez voir Ansel Adam, Susan Zontag... Euh euh, quelques autres. Et donc, pour réussir à faire une photographie avec cet appareil, il faut que la lumière, il faut que l'image potentielle traverse toute la théorie de la photographie. Ce qui est un point de vue ironique assez drôle. Voilà, rapidement pour aujourd'hui, je vous laisse avec cette photo d'une Italienne qui habite à Paris, qui s'appelle Rosella Bellucci, qui est une photo, comme vous le voyez, extraordinairement blanche dont je vous parlerai, de, de, pas demain, mais après-demain, quand on parlera de nouveau de jouer avec la lumière et jouer avec d'autres paramètres de la photographie. Je vous remercie. Marc lunettes rouges. Merci. Et vous pouvez. Prolonger hein, l'aventure expérimentale de, de Marc Lénaud avec le livre qu'il vient de publier, Jouer contre les appareils aux éditions Photosynthèse, mais on le retrouve avec plaisir et jeudi et samedi. Tenez, je vous l'offre. Merci. Pas mes fiches. <laughs> à bientôt, Marc. À jeudi.